Et c'est y part, mon canard. Je suis avec un maître grelot, un grelottier, un grelottin, un... Bon, on va pas le suivre. On va pas le suivre. On va tenter de se trouver un petit totem pour commencer, hein, comme la partie d'avant. En espérant ne pas tomber sur le tueur que j'ai eu en flash, la partie d'avant, parce que il était bien équipé, le fifou. J'ai pas trouvé de totem alors qu'il est censé en avoir dans chaque. Oula. On va aller peut-être tout de suite par là alors. Hein? On va fouiller encore un petit peu. Rien ici. Ok. Il a trouvé quelqu'un. Oh la vache, c'est désert ici! Ouah, c'est quoi cette zone où il n'y a rien? La zone cadeau bonus pour le tueur. Bon, il faut que je fasse ce générateur parce que. En plus, il y a une porte, quoi, mais c'est du délire! Je ne trouve pas de totem. Ah, que où sont les totems? Ah, voilà un totem. Que je devrais mettre mes montures au petit que 2000! Et le grelottin a réussi à me ramener quasiment le tueur sur le popotin. Ville grelottin. Non mais c'est une blague. Ah d'accord. Oui, bah t'attends 2 secondes. Putain, mais ça, le grelottin, il est russe et il exige tout, là. Oh là 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 là. Allez, je te laisse, débrouille-toi. Moi, je vais essayer de réparer le générateur qui est là-bas parce que c'est vraiment le trapouillon, quoi. C'est vraiment celui à pas finir en dernier. Surtout avec ce tueur. Alors là, le mec, il va se faire plaisir, quoi, si on finit pas ce générateur en premier, quoi. Elle est à l'autre bout de la map. Et là, il a retrouvé le lutin. Voilà. Mais il le ramène. Il le ramène, ce pignouf. Encore un deuxième dans la cage d'expiation. Donc moi je vais aller me cacher un petit peu parce que. Bah parce qu'il va revenir par là, de toute façon. Donc autant se planquer près d'un générateur qui n'est pas du tout entamé. Puis on va voir où est-ce qu'il passe. J'ai un bon angle de vue là. Non? Oui, non? Voici l'heure des animaniacs. Pardon. Ok, il est là-bas. Je vais peut-être pas me mettre de ce côté-là, du coup c'est encore plus con. Évidemment. Évidemment! Évidemment. Évidemment! Évidemment, mais il revient vers moi! J'adore! Très bonne idée! Très bien, un autre totem. Non mais ça ne marche pas, monsieur. T'as ton truc qui se désagrège. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'elles vont pas revenir par ici. Qu'elles repartent de l'autre côté. Comme ça, s'il revient, il voit les traces de sang de l'autre côté. Il faut vraiment faire ce générateur. Putain. Huh.
Casse-pied. J'espère qu'il va s'intéresser à elle. Oui, il s'est intéressé à elle. Très bien. Ça vous apprendra à vous soigner près de mon générateur, bande de tafioles. Ah, mais oh! Me fait chier réparer un générateur, ils attirent l'attention du tueur dessus. Ça va, quoi. Merde. Oh, putain. Pas le choix. Est-ce qu'il y a un autre totem ici, tant qu'à faire? Nah. Est-ce qu'il y a des gens en train de réparer là-bas? Oui. Est-ce que ça répare ici aussi? Oui. Le minus et cortex, ils veulent diriger l'univers. Les pigeons fondus, Zerif, ils piquent une crise de nerfs. Turbo Boursu, Mindy, Ritar et Clavébert. Des clames des vers, les auteurs flippants jettent leur script est salé. Ah mais merde! J'ai même pas le temps de me régénérer! Oh mais sérieux! Tiens, si je ralentissais quand je passe au-dessus de la fenêtre! Ouais! C'est une bonne idée! Une bonne idée. Bon. Les auteurs flippants jettent leur script est sale et désespèrent. Voici l'heure des animaniacs. On a signé des contracts. Et c'est Grelottin qui vient de délibérer. Oh bah ça me... Je suppose qu'il doit y avoir un générateur dans le coin. C'est un générateur ça? Non, c'est un crochet. Crochet, crochet, on veut pas crochet. Merci Grelottin. Bon bah trouvons un autre totem pour assurer le poser de mon pied et de mon popotin. Il est en train de faire une boucherie là-bas le mec. Bah oui, il y a un générateur là. Donc on va faire une petite explosion pour attirer son attention et libérer... Voilà. Il va se dire, il bosse sur le générateur là-bas, il faut que j'aille m'en occuper. Ce qui sera partiellement vrai. En attendant, il me faut un totem. Et j'ai trouvé un totem. Ah le bâtard. Quel fils de pute. Bon bah on va rejoindre la copine là-bas, puis on va se soigner avec elle. Puisque le tueur a de toute façon décidé que... On va aller soigner quand même dans un coin. Ah, un autre générateur. Ah mais il nous reste deux à faire, pas un. À la merde. Bon, maintenant, il nous en reste plus qu'un. Ah, sérieux. Bon, je dois avouer que la cabane m'a pas du tout avantagé dans la configuration. Enfin, l'idéal, ce serait d'aller réparer celui qui est devant la porte. Celui que je voulais réparer depuis le début, en fait. Mais du coup, c'est celui qui va camper. C'est le plus obvious. Il a une ligne... Enfin, c'est complètement naze, tellement c'est vide, ce coin-là. Le relou.
Ouais, on lui dira, au revoir. Tu cherches un petit peu trop bien, toi. Du coup, je sais plus où est mon générateur que je bidouillais. Ah, j'ai perdu mon générateur à cause de... Ah oui, là-bas. Allez, et devant le générateur de la porte. Hein. No stress. Bon, par contre, je m'inquiète parce qu'il y a quand même trois générateurs bien distincts les uns des autres. Et il y en a un qui n'a pas été poursuivi. Mais pas de génération. Pas de régénération de générateurs dégénérés. J'espère qu'il y en a un des deux qui a adrénaline parce que ça va bientôt pop. Bon, voilà. On fait gaffe à ne pas croiser de totem incendié. Il est éteint. Bon, il n'y a pas de... C'est quoi ce bruit? Oh, ça va, il est à l'autre bout de la map. Même s'il vient m'emmerder, j'ai le temps de sortir. Visiblement, la demoiselle a pas envie d'aller l'aider. Et si je te soignais? C'est arrêté de bouger que je te soigne, connasse! D'accord, ok. T'es débile, au revoir. Regardons ce lapin. Ça n'a pas d'autre nom. C'est un lapin qui court débilement dans tous les sens. Tu ne sers à rien. Je ne sais même pas comment tu as fait pour arriver à la fin. Tellement tu sers à rien. Que quelqu'un m'explique, si quelqu'un dans les commentaires sait pourquoi ce mec fait ça, expliquez-moi, je veux savoir. Parce que encore qu'il veut y attendre d'avoir la trappe, je comprends, mais qu'il ne se laisse pas soigner. Oh, il y en a qui se sont fait baiser mieux que ça, pour moins que ça, hein.
vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités et activer la notification. C'était Gros Choco Geek sur Dead by Daylight. Et je vous dis bien le bonsoir.